Hello, hello les investisseurs à bloc, j'espère que vous avez la forme. Eh bien, nous allons voir dans cette vidéo la grande illusion de Terra Luna. Je t'explique ça tout de suite. Allez, avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification pour recevoir chaque jour l'actualité brûlante sur ma chaîne YouTube. Et également, tu sais que cette chaîne est destinée aux débutants ayant déjà ou non investi dans le marché des crypto-monnaies et surtout pour te permettre de savoir quand acheter, quand vendre, trouver les bons projets au bon moment et également le tout sans forcément avoir peur de perdre de l'argent puisque aujourd'hui on le voit avec la volatilité, eh bien les pertes d'argent sont malheureusement monnaie courante. Allez, on le voit, Terra is back, les exchanges rentrent dans la course au nouveau Luna. Là, ça va être la grande foire. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, tout le monde va courir à lister le nouveau Luna dans le but d'avoir un maximum d'argent. On n'a aucune garantie sur ce que le nouveau Luna va offrir en termes de sécurité, mais il y a déjà énormément d'exchanges qui misent sur la cupidité, eh bien, pour pouvoir gagner et engranger un maximum d'argent. Au final, les grands gagnants, ça va être les exchanges. Puisqu'on va le voir tout de suite dans l'article d'après, que le Terra Luna va redistribuer des poussières à ceux qui en possédaient déjà. Alors voilà, avant toute chose, qu'on attaque le vif du sujet, eh bien tu peux rejoindre mon canal Telegram, il est gratuit, télécharge-le si tu n'as pas Telegram, en cliquant juste ici dans la description, mon Twitter également, et télécharger aussi ton cadeau gratuit qui se trouve en description. Télécharger ton cadeau ici qui est juste là. Voilà les trois petites étapes à faire. Le Twitter, le canal Telegram et également télécharger ton cadeau pour te permettre d'avoir toutes les infos sur les cryptos. Alors voilà, donc on le voit très rapidement, on va passons en surface donc cet article. On peut voir que l'ancienne blockchain est renommée Terra Classic. Et l'ancienne crypto Luna en Luna classique. Le nouveau Luna, quant à lui, aura une offre totale plafonnée à 1 milliard d'unités. La nouvelle crypto-monnaie vient de gagner le soutien de la bourse HitBTC qui a annoncé dans un tweet le 25 mai 2022 que la nouvelle crypto-monnaie sera listée sur sa plateforme à dater du 27 mai 2022. Tous derrière Terra, disent-ils, voilà, qui veulent aider le réseau à renaître de ses cendres, Bybit, etc. En réalité, ils veulent tout simplement se gaver sur toutes les personnes qui auront acheté du nouveau Luna. Bien, moi, je n'ai rien contre les personnes qui vont aller acheter du nouveau Luna, bien qu'elles prendront évidemment le risque ou non de le faire. Ça, chacun a ses responsabilités. Mais les exchanges qui refassent aussi vite confiance à quelque chose qui a perdu 50 milliards, ça me paraît complètement fou. Et voici pourquoi. Alors, on peut le voir, le parachutage de Luna, il va être fait justement sous différentes formes. Alors, on peut le voir, si on fait rapidement les calculs, quelqu'un qui possède peut-être 3 millions de Luna se retrouvera qu'avec 450 nouveaux Luna, quelque chose comme ça, ou même moins, pour te dire que c'est en gros, aujourd'hui, je vous dis, bah, donnez-moi 1000 euros, je vous les place sur, un compte qui est sûr, hein, vous inquiétez pas, il est sûr ce compte, il vous rapporte, je sais pas, 10% par mois. Et du jour au lendemain, je vous dis, bah, finalement, mon compte a craqué, j'en ouvre un autre. Mais par contre, hein, vos 1000 euros, vous n'aurez que minimum 30%, mais je vous garantis pas en plus ce que cela va vous rapporter de l'argent, peut-être que 1 ou 2%, ou si ça se trouve, 0. Voilà, donc l'illusion est parfaite, tu l'as compris, c'est vraiment abusé, je trouve. Mets-moi en commentaire, parce que tous les gens, en gros, hein, et qui ont mis un max d'argent, qui ont fait confiance au projet dès le départ, qui étaient là dès le début, et également ceux qui vont ramasser le plus, bah, c'est ceux qui ont investi aussi bah, après toute cette chute. Voilà, ça va être redistribué bien évidemment en fonction de l'arrivée des certaines personnes. Mais même les dernières qui ont voulu consciemment être présentes et réinjecter des fonds pour relever et aider la blockchain, bah, en gros, ça sera, écoute, tu auras 30% voire même moins et tes 200 000 dollars se transformeront en 50 ou 60 ou peut-être même moins, et je te garantis même pas que ça reprenne de l'ampleur. Tu vois un peu dans quelle spirale infernale on est, et les exchanges se battent pour lister tout ça,
et se battent pour que les personnes achètent. Au final, les grands gagnants, eh bien, ça va être malheureusement tous ceux qui ont manipulé la blockchain et les exchanges. Et on n'a aucune garantie pour les nouvelles, évidemment, cotations. Voilà ce qu'il en est de nouveau, au niveau de Terra Luna. Le résumé, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas y investir ni qu'il faut y investir. Ça, c'est ton propre choix. Il faudra faire tout simplement tes propres analyses. Mais ça peut s'avérer un pari gagnant comme un pari complètement perdant. Voilà, moi, 3 millions de jetons qui se transforment en 450 ou moins quand tu arrives après la bataille, il faut se poser aussi des questions. Voilà. Bon, voilà pour tout ça. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.